Soyez fortifiés, soyez renouvelés, soyez affermis du au contrôle. Amen. Amen. Au contrôle. Mais qui ne le fait pas, le juste entre les mains du méchant. Amen. Merci à tous ceux qui se sont levés tôt pour intercéder, pour affermir les bras et les jambes languissantes, pour porter les fardeaux des uns et des autres. Merci, merci, merci. C'est abondamment au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Psaume 37, 32. 37, 32. Psaume 37, on va commencer au verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste. Le méchant épie le juste. Le méchant épie le juste. Et il cherche à le faire mourir. Le Seigneur essaye de nous faire comprendre que quand on te guette pour te détruire, il est au courant. Il voit. Il entend tout. Il sait tout. Il est le premier témoin. Quand l'adversaire prend des résolutions contre nos vies, la Bible dit, le méchant épie le juste, il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Éternel, ne nous laisse pas entre les mains du méchant. Ne nous laisse pas entre les mains du méchant. Ne nous laisse pas entre les mains du méchant, Seigneur. Ne nous laisse pas entre les mains du méchant. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Seigneur, lorsqu'on nous juge, délivre-nous. Lorsqu'on nous juge, délivre-nous. Délivre-nous des accusateurs de nos âmes. Délivre-nous de ceux qui lèvent leur langue en jugement contre nous. La Bible dit, espère en l'Éternel, garde sa voie. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Alléluia. Seigneur, nous espérons en toi. Donne-nous force, sagesse et courage pour garder ta voie. Aide-nous, Éternel, à garder ta voie. Élève-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Et donne-nous possession du pays au nom de Jésus. Que nos yeux, Seigneur,
que nos yeux voient la rétribution des méchants. Que nos yeux, Seigneur, que nos yeux voient la rétribution du méchant. Que nos yeux le voient et que nos cœurs soient fermés. Au nom de Jésus. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il l'a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Merci Seigneur. Éternel des armées, délivre-nous de toute intimidation, de toute crainte, de toute frayeur, quand nous voyons le méchant s'étendre comme un arbre verdoyant. Donne-nous la force de nous accrocher avec toi et en toi. Donne-nous la force de marcher dans une ferme assurance et d'espérer tous les jours. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Au nom puissant de Jésus. Le verset 37 dit, « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. » Le Seigneur nous invite à ne pas regarder dans la mauvaise direction, à ne pas regarder vers les gens qui servent à diffamer le nom du Seigneur. Le Seigneur nous exhorte à laisser nos âmes être influencées par les choses qui lui sont agréables, la justice, la droiture. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible déclare observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Généralement, nos regards se tournent vers les méchants. Au début de ce psaume, la Bible dit ne t'irrite pas contre le méchant, contre l'homme qui réussit dans ses mauvaises voies. Nous sommes très souvent irrités quand nous regardons les méchants. Dieu dit, faites attention. Vous risquez de vous faire avoir. Vous allez tellement les envier que leur esprit va tomber sur vous. Mais observez plutôt ceux qui font le bien. Alors, Seigneur, nous voulons que tu aides nos pensées, que tu aides nos cœurs, que tu aides, que tu nous aides dans tout ce qui est en nous, afin que nous ne perdions point courage, que nous ne perdions point la direction. Merci, Seigneur. La Bible déclare, observe celui qui est intègre, regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Mes frères et mes sœurs, fuyons la méchanceté. Fuyons les vengeances. Fuyons la méchanceté, fuyons les vengeances.
fuyons le mal. Le Seigneur, quand il apprend aux disciples comment prier, il leur dit de dire « Délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. » Le Seigneur savait qu'on va être tenté de copier les mauvaises choses que les autres font. Il savait que son Église sera très tentée, très violemment tentée. Mais il savait aussi qu'il va se lever. Il va se lever. Il va se lever pour nous défendre. Il va se lever pour combattre pour nous. Il va se lever pour mettre un terme à la terreur de l'adversaire. Je viens te dire ce matin, quel que soit ton oppresseur, quel que soit son nom, l'oppresseur de nos enfants, Dieu l'écrase. Dieu le détruit. Dieu va l'éradiquer. La Bible dit que l'endroit où il était a reçu l'instruction de faire disparaître tout méchant qui travaille jour et nuit contre nos vies. Que le méchant qui est à l'origine de tout problème dans ta vie soit anéanti précipitamment. Que toute main démoniaque qui se cache derrière tes batailles, derrière tes souffrances, derrière les œuvres du diable dans nos vies, que ces mains soient éradiquées, retranchées. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur protecteur au temps de la détresse. Éternel, ô Dieu, Seigneur, notre salut vient de toi. Notre guérison vient de toi. Notre force vient de toi. Notre paix vient de toi. Notre joie vient de toi. Notre délivrance vient de toi. Manifeste-toi encore, Seigneur. Éternel, à qui d'autre irions-nous? Nous comptons sur toi, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Tu as promis, Seigneur, de nous sauver. Tu as promis que le salut des justes vient de toi, l'Éternel. Nous voici donc avec nos maisons, avec nos demeures, nos familles. Sauve-nous, délivre-nous, purifie-nous, accomplis tes desseins, ton œuvre en nous. Ô Jésus, ô Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Que ta grande protection divine, Seigneur, soit sur nous au temps de la détresse. Que ta protection, Père, soit comme un bouclier et une cuirasse. Que toute flèche, toute langue, toute masse occulte qui est dirigée contre nous, que ces traits enflammés les ténèbres,
qu'ils périssent au nom de Jésus. Que les bêtes des champs, les oiseaux des marais, qui se cachent dans les marais, qui se cachent dans les ténèbres, pour piéger et détruire la vie de nos enfants. Que ces bêtes des champs soient détruites elles-mêmes. Qu'elles soient décapitées, éradiquées au nom puissant de Jésus. 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 Merci de nous secourir, Seigneur, et de nous délivrer. Merci, Seigneur, de nous délivrer de la main des méchants et de nous sauver. Merci. Merci, Éternel. Parce que nous trouvons en toi notre refuge. Et celui qui s'appuie sur toi ne peut être confus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons élever nos voix avec un extrait d'un passage maintenant. Et nous allons demander à l'Éternel des faveurs. Psaume 40, verset 5 dit ceci. Tu as multiplié, mon Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Donc nous allons prier et dire au Seigneur, Éternel, aujourd'hui, multiplie, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand. Le nombre est trop grand pour que je les raconte. En d'autres termes, multiplie Éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Amen. Amen, amen. Donc, ouvrons nos micros, élevons nos voix avec assurance, avec une absolue espérance et demandons. Demandons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous venons, Seigneur. Éternel. Pas ta parole devant le trône de ta grâce ce matin, Seigneur, te prie. Multiplie, Éternel, notre Dieu. Multiplie, Seigneur Jésus, tes merveilles et tes desseins. Multiplie tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Multiplie tes merveilles et tes desseins, Seigneur. Multiplie tes merveilles et tes desseins. Multiplie, Seigneur. Multiplie, Seigneur. Multiplie tes merveilles et tes desseins en nous. Multiplie tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Multiplie, Seigneur. Multiplie tes merveilles et tes desseins en notre faveur.
Multiplie tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Multiplie, éternel. Ne te tais pas, mais multiplie. Ne te tais pas, Seigneur. Mais élargis l'espace de nos chambres. Élargis l'espace de nos maisons. Élis nos portages. Et multiplie, Seigneur. Multiplie ton œuvre. Multiplie ton œuvre dans nos vies. Multiplie ton œuvre dans ta maison. Multiplie ton œuvre, Seigneur, pour nous et par nous, Seigneur. Multiplie, Seigneur, de la faveur des bords dans nos vies, Seigneur. Multiplie tes merveilles et tes desseins, Seigneur. Multiplie tes guérisons, Seigneur. Multiplie tes délivrances, Seigneur. Multiplie tes restaurations, Seigneur. Nom puissant de Jésus. Multiplie, Seigneur. Tout honneur, toute gloire de ton précieux sang parle de sa gloire. Garantis, Seigneur, la paix, le salut, la délivrance, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi, le Dieu vivant. Nos âmes, Seigneur, ont soif de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tout le monde. Amen. Nous allons aller dans Deutéronome 28. Et nous allons prononcer la bénédiction dans chacun de nos vies. Alléluia. Nous allons prononcer la bénédiction de Dieu dans chacune de nos vies et dans la vie de nos enfants, de nos parents, des personnes autour de nous. Nous allons prononcer la bénédiction dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Pas seulement à nous, mais même nos frères et nos sœurs. Alléluia. Dans ce groupe WhatsApp qui dans ce groupe qui prie. Alléluia. Ce groupe Zoom qui prie. Alléluia. Dans nos églises où nous prions, papa, où nous persévérons parce que nous sommes une seule famille et nous portons le même nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 28, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Oh, Jésus-Christ, merci, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, tu dis « Je » au lieu de « à la place du tu ». Alléluia. « Je serai béni dans la ville et je serai béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies au nom de Jésus-Christ. Ma corbeille et ma huche seront bénies au nom de Jésus-Christ. Je serai béni à mon arrivée et je serai béni à mon départ. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Alléluia. Crie avec moi, l'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre moi. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel me donne la victoire sur le chômage qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus, l'Éternel me donne la victoire sur le blocage qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus, l'Éternel me donne la victoire sur la maladie
qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel me donne la victoire sur la pauvreté qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Au nom de Jésus-Christ, ils sortiront contre moi par un chemin. Ils s'enfuiront devant moi par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ils viennent devant moi par un chemin, mais l'Éternel les disperse et ils s'enfuient par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ, alléluia Jésus-Christ, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que je vais entreprendre, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit dans toute entreprise que je fais. Au nom de Jésus, tout projet d'entreprise, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, projet d'évangélisation, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, projet de prière, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, projet de lecture, d'études bibliques, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, projet de lecture de la parole de Dieu, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus. L'Éternel me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. Alléluia. Je serai pour l'Éternel un peuple saint. Alléluia. Comme il me l'a juré. Lorsque j'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, et que je marcherai dans ses voies, tous les peuples verront que l'Éternel est, que je suis appelé du nom de l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Que les gens voient que nous sommes appelés du nom de l'Éternel, Papa. Que les gens voient que nous sommes appelés. Que nous sommes appelés du nom de l'Éternel Jésus-Christ. Que les gens voient que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que l'Éternel fait répandre la crainte de nous, Seigneur Jésus, sur les peuples, Papa. L'Éternel fait répandre la crainte de nous sur les nations au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est avec nous. Jésus est avec nous. Le rocher des âges, le rocher qui est plus élevé que moi. Même celui que je ne puis atteindre, c'est Jésus-Christ, le commencement et la fin, le maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus, le prince de paix, alléluia, l'admirable, le conseiller, le Père et le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Merci Jésus-Christ pour ta bénédiction sur nous, Papa. Que ton nom soit jamais glorifié, que ton nom soit jamais magnifié, que ton nom soit jamais célébré, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel me comblera de bien en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux et le fruit de mon sol, dans le pays que l'Éternel a juré à mes pères de me donner. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Merci Seigneur Jésus. Ouvre-nous ton bon trésor, Papa. Ouvre-nous ton bon trésor, Jésus-Christ. Ouvre-nous ton bon trésor, Seigneur Jésus. Ouvre-nous ton ciel, Seigneur Jésus. Répands ta parole de connaissance dans nos vies, Papa. Répands ta parole de prophétie dans nos vies, Seigneur Jésus. Répands, Seigneur Jésus, ton don de guérison dans nos maisons, Seigneur Jésus. Répands, Seigneur Jésus, le salut dans notre pays, Seigneur Jésus. Répands, Seigneur Jésus, la repentance dans notre pays, Seigneur. Répands la conviction du péché dans notre pays, Seigneur. Répands le don de ton esprit dans notre pays, Seigneur Jésus. Répands, Seigneur Jésus, le baptême au nom de Jésus parmi les nations dans notre pays, Seigneur Jésus. Ouvre-nous ton bon trésor, Papa. Ouvre-nous ton bon trésor. Ouvre-nous le ciel, Jésus-Christ. Ouvre-nous le ciel, Jésus-Christ. Je déclare que le ciel est ouvert dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le ciel est ouvert dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le ciel est ouvert dans nos assemblées. Au nom de Jésus, quand nous allons au travail, je déclare que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus, si c'est dans les hôpitaux, je déclare que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus, si c'est dans les soins de santé, je déclare que le ciel est ouvert au-dessus de nous. Au nom de Jésus, si c'est dans des garderies, je déclare que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus, si c'est dans des écoles, je déclare que le ciel est ouvert.
au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Merci Jésus-Christ, alléluia. Merci Papa, merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Au nom de Jésus-Christ, merci. L'Éternel fera de nous la tête et non la queue. Au nom de Jésus, nous saurons, je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel, mon Dieu, et que je prie, les commandements qu'il me prescrit aujourd'hui, lorsque je les observerai et je les mettrai en pratique, alléluia. Oh Jésus, lorsque je ne me détournerai ni à droite ni à gauche de tous les commandements que l'Éternel me donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Seigneur Jésus, je ne me détournerai jamais de tes commandements au nom de Jésus. Nous ne nous détournerons jamais de tes commandements au nom de Jésus-Christ. Nous allons marcher dans tes commandements au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que cette semence qui a été semée en nous, ta parole, tes ordonnances, tes préceptes que tu as mis dans nos cœurs vont porter des fruits à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous n'allons jamais nous détourner de ta parole. Au nom de Jésus, nous n'allons jamais nous détourner de tes ordonnances. Au nom de Jésus, nous n'irons jamais vers d'autres dieux pour les servir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bannis, je bannis, je bannis toute idolâtrie. Au nom de Jésus, je rompe le joug de toute idolâtrie au nom de Jésus, parce que la parole de Dieu dit, écoute ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, c'est toi l'éternel dans nos vies, c'est toi le seul dans nos vies et c'est toi que nous allons louer, c'est toi que nous allons bénir, c'est toi que nous allons glorifier, c'est toi que nous allons magnifier, c'est toi que nous allons célébrer, c'est toi que nous allons acclamer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ? Ouvre ton bon trésor, papa. Ouvre ton bon trésor, Seigneur Jésus. Ouvre ton ciel, Seigneur Jésus, dans la vie de ton enfant. Ouvre ton ciel de ta vie dans la vie de ton enfant. Ouvre ton ciel de ta vie dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre ton bon trésor, Seigneur Jésus. Je déclare et je décrète, Seigneur Jésus, que ton ciel est ouvert sur toute femme stérile aujourd'hui, dans le son de ma voix. Toute femme stérile va enfanter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa, tu es bon, tu es bon. Alléluia, Jésus-Christ. Merci. Merci, tu règnes, Jésus. Merci, tu es doux, tu es ciel. Au robot, ni ta cause, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Merci au nom de Jésus. Je vais céder la parole au frère Mouria. Alléluia. Fait qu'il est 7 heures, il faut conclure. Papa Mouria, prends ta liberté. Au nom de Jésus. Amen. Éternel des armées, nous venons décréter, déclarer ce matin, en cette journée, Seigneur, que la gloire de l'Éternel se lève sur nous, sur tout ce que nous allons faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous as déjà bénis comme nous l'avons prié, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, ça va réussir aujourd'hui. Nous le décrétons, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons aussi prier, confier nos enfants qui vont aller à l'école, Seigneur, aujourd'hui. Nous te prions de les protéger contre toute attaque de l'ennemi. Seigneur, merci parce que tu vas les utiliser dans les écoles, là où ils vont, Seigneur, afin de témoigner ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la victoire, pour ta grâce, pour la provision, pour la guérison, Seigneur, pour la délivrance, Seigneur, qu'apporte cette journée. Nous le croyons et nous le scellons dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que, Seigneur, sur nous, ta gloire se lève aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore battre nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Passez une agréable journée couverte par le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Qu'il multiplie le fruit de toutes les œuvres de vos mains. Son ange campe autour de nous tous et nous délivre de tout danger. Allez, prospérez, entreprenez. J'insiste, entreprenez. Ceux qui entreprennent changent beaucoup, changent très vite et découvrent Dieu d'une nouvelle façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Entreprenez, au moins demandez à Dieu comment et dans quoi vous devez entreprendre, mais faites quelque chose, parce que la faveur du ciel est sur nous. Le ciel est ouvert sur nous pour nous faire du bien. Soyez bénis, bonne journée à tout le monde, au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon Dieu bénis tous en pile, en pile. Amen. Amen. Bye bye. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen. Merci.